Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comment donner vie à ses rêves et réaliser n'importe quel projet? Voici 10 astuces importantes qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves et donner vie à n'importe quel projet. 1. Connaître déjà c'est quoi son rêve. En fait, c'est trop marrant, mais ça commence par là. Comment veux-tu réaliser un rêve si tu ne sais pas encore c'est quoi ce rêve? Comment voulez-vous abattre une cible si vous ignorez à quoi ressemble cette cible? Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il va, et c'est vrai, tous les vents lui seront favorables. Découvre tes rêves, ce qui te passionne, et sois focus uniquement sur lui et sur sa réalisation. 9 personnes sur 10 ne savent pas exactement c'est quoi leur rêve. Tantôt ils veulent être ceci, tantôt ils veulent être cela. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Si tu te retrouves dans ça, laisse-moi te dire avec modestie que tu stagnes sans même t'en rendre compte. 2. Connaître son pourquoi. Maintenant que tu connais c'est quoi ton rêve ou le projet sur lequel tu comptes bosser, l'heure est maintenant pour toi de connaître ton pourquoi. C'est quoi le pourquoi ? Eh bien, c'est là où les raisons bien plus profondes qui se cachent derrière ta motivation, tes agissements. C'est quoi tes raisons? Qu'est-ce qui te motive? Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vas endurer n'importe quelle épreuve difficile dans la vie. 3. Visualiser ses rêves à court, moyen et à long terme. Puisque tu connais maintenant ton pourquoi, la prochaine étape pour toi est de visualiser tes rêves pour les 5, 10, voire 20 prochaines années de ta vie. Dans 5 ans tu arriveras, la vraie question est où? Dans 10 ans tu seras sûrement quelqu'un, la question à 1 million c'est qui? Visualise qui tu veux être et ce que tu comptes faire dans les années à venir. Les imprévus? Bien sûr il y en aura, on n'est pas maître de l'univers, mais l'objectif est d'être situé à un point. 4. Se former dans le domaine auquel tu veux exceller. Bien sûr, rien ne tombe du ciel, il va falloir bosser dur et intelligemment pour réaliser ses rêves. Donc sur ce ratio, forme-toi et deviens expert dans ce que tu comptes faire. 5. Faire un plan d'action, transformer ses rêves en objectifs. Un rêve sans objectif n'est qu'une hallucination, dit Henry Ford. Transforme tes rêves en objectifs, ses objectifs en plans, ses plans en étapes et ses étapes en actions. 6. Prendre des risques et passer à l'action. Qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Et puis d'ailleurs, le risque est proportionnel au gain. L'action est le porte-flambeau de ta réussite. 7. Faire de la discipline et du sacrifice tes meilleurs amis. En fait, chacun de nous doit choisir entre deux douleurs, la douleur de la discipline et celle du regret. C'est une question de choix. Il en va de même pour les sacrifices que tu fais pour te rapprocher de tes rêves. Si tu ne sacrifies rien pour tes rêves, alors suis désolé, mais tes rêves deviennent forcément le sacrifice. 8. Avoir confiance en soi et croire en ses chances de réussite. Sans confiance en soi, c'est déjà peine perdue. Comment veux-tu que les gens croient en toi et en tes rêves si toi-même tu doutes de toi? Tu veux une chose et son contraire, désolé, c'est impossible. 9. Se libérer du regard insignifiant et des avis aléatoires des autres. Les autres c'est les autres, toi c'est toi, chacun sa story. Les autres ont leurs ambitions, convictions et tout ce qui s'ensuit, ne laisse plus les regards et les avis extérieurs nuire à tes ambitions. 10. Sois persévérant. Ça va forcément prendre plus de temps que prévu, plus de temps que tu l'avais imaginé. Mais si tu n'abandonnes pas, tu auras une chance de réussir. 11. Change ton état d'esprit. Cultive un mental d'acier, une attitude de champion, vois toujours grand, ne te contente jamais de l'ordinaire, à plus forte raison de la médiocrité. Si tu as aimé la vidéo, merci de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo.